Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie de Ocarina of Time, version Master Quest. Nous sommes arrivés au lac Ilia, qui est complètement asséché. Ça n'a pas changé. Je vais sortir d'ici. Je veux sortir. Oh, j'ai dévalé la falaise, ça devrait faire mal. Attention, Navi, là, elle veut déjà te parler. Bah, elle attendra. Parce que moi, je vais passer mes parties suivantes dans ce menu. J'espère que tu vas bien t'amuser. Le compteur n'est pas encore apparu. Tu ne peux pas respirer sous l'eau. Si tu commences à suffoquer, retire tes bottes. Pas de problème, Navi. Attention, c'est un conseil, hein. Beau conseil, là. Tu vois, si jamais t'es dans la piscine et que tu commences à suffoquer, enlève tes bottes. Mais je vais pas avec des bottes dans la piscine. Et bah alors t'es mal. Non, je sais très bien que j'ai pas la bonne tunique, mais bon, c'est parce que... moi, je... Mais non, faut pas appuyer. Non, faut pas les remettre, hein. Mais moi, ma couleur, c'est le rouge, c'est pas le bleu. Et alors, moi, j'ai fait le Fire Temple en rouge parce que j'en avais marre. Alors, quoi de beau? Ah mince, je suis pas assez proche. Je sais même pas si tu peux les prendre avec les grappins normaux. Oui, tu peux. Mais oui, je peux. Ah, j'ai pas fait assez. Bon, bah, c'est bon, j'ai des bombes. Ah non, j'ai pas des overboots. Je peux pas aller directement là-bas. Eh ouais, c'est bête, hein. Fallait faire le temple de l'ombre avant. Comme tout le monde. Moi, je pense que je vais aller là-bas. Bah, de toute façon, je pense pas que le début du donjon il soit bien différent de la version originale. Hein. Le but est d'aller voir Ruto. Tu restes que 50 secondes. Décidément, ils veulent tout le temps mettre 50 secondes. Non, j'ai vu que c'était fermé. Ouais, bah oui, pardon. Et du coup, il va falloir que tu retires les bottes. Mais j'écoute rien. Bon, il y a une ouverture quelque part. Ouais, mais ça sert à rien d'aller aussi haut. Mais non, mais c'est pas grave, c'est pour regarder. J'aurais dû me mettre sous le mur. Là, t'as vu, là, y a un bouton. Je me demande si ça sert à quelque chose que j'appuie maintenant dessus. Je sais pas, mais bonne chance pour l'appuyer dessus. Bon, ça devrait pas être trop compliqué, j'ai juste à faire... Hop. C'est vrai quand même que sur la version 3DS, ils ont rajouté la possibilité de mettre les bottes en item plutôt qu'en équipement. Et c'est quand même beaucoup plus pratique. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je dois pas aller par là. Oh oh, là il était enfermé. Il me reste plus que 10 secondes à vivre. Bon, je vais mettre la tunique bleue, je triche. Je suis succombé. T'es enfermé, pour toujours. Bonne chance. Grimper là, t'as vu, il respire sous l'eau, il a pas de problème. Ça fait rien? Bah non. Mince. Moi je peux rien faire là. Attends monsieur, je regarde juste. Ah mince, c'est les bottes qui me gênent. Bah il s'accroche pas, hein, Link, c'est trop lourd. Ouais. T'imagines comment s'il s'accrochait? Quel point ça devrait le tirer vers le bas? Ça devrait être terrible. Bon, je crois que c'est pas encore le bon moment d'aller ici. Yeah, j'ai fait le tour! Je crois que t'aurais dû prendre le chemin normal, hein. Mais en plus j'ai vraiment... Non mais remonte pas! Non, c'est par là. Mais non, ça c'est là où j'ai été et que c'était pas bon. C'était juste pile en bas en fait. Oui, c'est ça. Par contre, c'était ouvert là aussi. Ouais, c'est ouvert aussi en bas. Enfin, au deuxième étage. Mais non, c'est pas ouvert. Si, c'est ouvert là. Mais oui, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert, t'as vu? Oui, c'est ouvert. T'as vu, c'est ouvert ici aussi? Non, mais ça c'est normal. C'est ouvert partout. C'est le bon chemin là. Oh, les mouvements, je vole, mais c'est très bizarre. Je crois qu'il faut pas se déplacer comme ça. Non, non, sous l'eau, c'est pas conseillé le. Ruto! Oh, si, je me souviens bien. Miel! Tu es Miel, n'est-ce pas? It's me, ta fiancée, Ruto. It's me, ta fiancée. Ruto, la princesse des aurores. Ah, j'ai jamais oublié que les... J'ai du mal. Oula, j'ai appuyé, du coup j'ai pas lu. Je sais plus c'est quoi les vows en Comment français. Les vows, ouais. C'est les voix. Mais non, c'est pas les voix. Je sais que c'est pas les voix. Je sais plus comment les ça s'appelle en français. Les vows. Les bon, tant pis. Les vows, les bœufs. Les tomacos. Tu es un homme terrible de m'avoir fait attendre pendant 7 longues années. Mais maintenant que... Mais maintenant, c'est l'heure... Ce n'est pas le moment de parler de l'amour. What is love? Baby, je suis sûr que tu as déjà me. Vu. Le domaine Zora est complètement gelé. Un jeune homme nommé Shake m'a sauvé de la glace. Mais mon père et les autres Zora... Ils n'ont pas pu... Maintenant... Encore.
Encore, pardon. Je veux les sauver. Je veux sauver les domaines Zora. Toi, tu vas m'aider. C'est une requête. C'est ma requête. En tant que femme qui va devenir ta femme. Merci le français. Miel, tu dois m'aider à détruire le méchant monstre dans le temple, d'accord? À l'intérieur du temple, il y a 3 endroits où tu peux changer le niveau de l'eau. Je vais te montrer le chemin. Suis-moi, vite. Ouais, je veux vite, aussi vite que je peux, Ruto. D'ailleurs, il y a des torches. Quelle morue! Non, Ruto, vite! Je me dépêche de te suivre, tu peux pas mourir en 2 secondes. Si elle est morte, ça y est. Non, attends. Bah ouais, mais le temps que t'as passé dans le menu, elle est morte. Mais le menu, il frise le temps. Oh mince, j'ai perdu du temps. Mais sérieusement. Non mais là, elle a disparu. Mais en fait, tu vois, c'est parce que le jeu, il veut te troller. Genre, en fait, tu vas tout en haut, alors qu'en fait, elle était au 2e étage, ou je sais pas trop quoi. Tiens, c'est fermé. Il y a des torches. J'ai pas vu les torches, mais ok. Je vois le bout de torche maintenant. Attends, ça veut dire que je peux faire le feu de daim ici? Bah ouais, tu vois, tu en rêvais dans la... Je vais pas dire dans la précédente partie, mais dans le précédent donjon. Eh, hey, il y a aussi un machin là sur le côté. Ah mais non, c'est pour monter le niveau de l'eau. Non, c'est pour le baisser. Baisser le niveau de l'eau. Mais il est déjà à ce niveau là. Non, non, là tu le baisseras au maximum en jouant la berceuse de Zelda. Je vais jouer alors. Ah bah t'es pas à côté. Il faut que ma vie elle soit verte. Non, pas besoin, il suffit d'être à côté. Bah eh. Tu dis des bêtises. Non, c'est toujours pas bon. Pas besoin. Colle-toi au mur. Ah voilà. J'ai oublié une note. Ouais, c'est haut. Oh, quel magnifique chant! Moi, je suis triste de ne pas réussir à faire la différence des notes. Enfin, je connais pas les noms des notes. Ah bah, si tu veux, je te les apprends. J'arrive jamais à les retenir, le nom des notes. Hein. Ah bah, c'est comme... Tu sais écrire français? Non. Tu peux apprendre. Non, si je sais pas écrire français, non. Si tu sais écrire français. Oh mon dieu! Oh mon dieu, il y en a plein! Et toi, tout ce que tu préfères, viser? Eh, mais j'ai plus de cœur! Quand est-ce que c'est arrivé? Bah, ils t'ont fait mal. Oh, mais t'inquiète. T'inquiète, regarde, moi je fais ça, hein, vous allez rien comprendre. Je suis pas sûr que ça marche. Frapper alors que je suis en train de faire ça? Regarde comment ils en ont rien à faire. Ça marche pas! Qu'est-ce que tu fais? Arrête de viser ça! Mais je veux pas viser ça! Eh, c'est pas ma visée, hein. Vous mourrez jamais? Bon, ouais, attention. De toute façon, si tu en vises un, les autres ils sont gentils, ils te regardent. Ils se promènent quand même autour de toi, mais. Ah, ouais, je suis morte. Mais non, t'es pas morte. Non, je sais, j'ai une fée. Mais j'avais pas vu que j'avais pas de vie. Je suis venue dans ce temple, j'avais pas de vie. T'avais pas toute ta vie, ouais. Ouais, mais quand même, j'en ai pas perdu tant que ça. Ah, mais ils font mal les Stalfos, hein. Je sais qu'ils font perdre de cœur. Mais pourquoi ça marche pas? Ah, parce qu'il se défend avec son bouclier lui aussi, tu vois. Il était stun. Ouais. Wow. Cette esquive. Moi aussi, je sais le faire. Alors, est-ce que tu penses qu'ils ont des épées en bronze? Ou ils ont juste des épées rouillées? Moi, je me suis toujours dit que c'était des épées en bronze. Ouais, moi aussi. Mais vu comment ça tue Link, peut-être que c'est des épées en rouillé qui te donne le tétanos. Attention Link, tu vas attraper le tétanos. J'ai oublié quelque chose ici. Regarde comment le temps... Moi je trouve qu'on dirait que c'est Ruto en fait. Je sais pas si tu vois là, c'est les yeux, bon, la bouche, la tête des auras. Ouais bon. Je pense que ce temple est fait en l'honneur de Ruto. C'est son papa, il l'a dessiné pour lui. Pour elle. Bon, pour lui. Oula, qu'est-ce que je fais? Sauf que c'est un peu bizarre, explique-moi comment c'est possible que ces dessins ils soient là en Link enfant alors. La maman de Ruto. Et si c'est pas la maman de Ruto? L'arrière-grand-mère. Oh bah carrément. On peut remonter aussi loin que tu veux. Je pense qu'elles se ressemblent toutes. Oh bah une fée. Une fée, à moi. La fée, vite. J'ai utilisé plein de noix. Et hop. Visiblement je vais en avoir besoin. Bah après ça dépend hein, s'il y en a plus de Stalfos c'est bon. Quoi, tu crois que dans Master Quest il y a plus de Stalfos? Encore?
Bah oui, je l'ai dit en plus. Mais oui, mais tu aimes le feu de daim, alors utilise-le. Ah, moi ça va, alors si je peux l'utiliser plein de fois, tant mieux. Regarde, je suis armé de ma bouteille. Tu vas te battre avec une bouteille contre le prochain Stalfos, attention. Oh, c'est de la grosse magie en plus. Allez, le Stalfos, je t'attends. Attention, le Stalfos, il est violent là. Oui. Ok. Ah, quand même. Ouais, les ailes. Ouais, de les ailes. Ah, mais on a vu du coup le cristal à l'intérieur du machin. Pendant une frame ou deux, mais on l'a vu. Oh, il m'a eu là. Pardon, je voulais pas t'attaquer toi maintenant. Mais bah, je suis gentil, je t'attaque pas. Hein, je suis fair play, moi. Attends, t'es déjà mort du coup. Oh, t'es amoureux. Oh, j'ai une idée, mais. T'as une idée en amour. J'ai une idée en amour. Alors, mon conseil c'est. Get the girl. Get the girl. Mais non, justement, il faut un conseil pour Get the Girl. Alors, utilisez des compas pour aller dans le futur. Allez dans le futur pour Get the Girl. Mais non, le compas il vous pointera vers la fille qui est bien. Bah, Zelda quoi. Ah, c'est tout ça pour un rubis. Ouais, bon. Ah, bah, je sais pas, je pense pas qu'il y a quelque chose encore dans cette salle. C'était pas là ça tout à l'heure. J'ai pas fait attention en fait. Bon. Mais visiblement. C'est très utile, hein. Voilà. C'est jamais si tu prends ton combat contre les Alphos. Ça, c'était pas là par contre. Non. Peut-être que tu peux monter du coup. Ah, mais c'est trop bas! Attends, je sais, je vais monter là-dessus. Pour pouvoir viser. Et c'est bon. Ah. Oui, ça a l'air bon. Parce que Link va s'accrocher par contre. Ouais, yes. Il est cool, Link. T'as vu, c'est même déjà bombé ici. Y'a pas de monstre, je peux faire quoi? Eh, là, ils auraient dû mettre un like qui tombe du ciel, ça aurait été cool. Genre, t'avances comme ça tranquillement, tu te doutes de rien, et là, pouf! Like. Ou sinon, mettre un relais d'invisible. Non, mais le relais d'invisible, c'est bon, on s'en passe pas. C'est pas mal ça. Déjà. Eh ouais, le long shot. Ça, bah voilà, maintenant t'as plus besoin de te poser de questions. Est-ce que je monte sur le truc pour descendre? Enfin, pour monter. Quand même. Je suis pas dans la bonne direction, je crois. Faut pas que je monte? Bah non, parce que là-haut, y'a plus rien. Puisque tu t'en étais servi pour descendre nous. Vas-y, Link, on descend! Pas de problème, moi je fais une roulade. Du coup. Bah c'est fermé partout là, non? Là c'est fermé. Là c'est tout à l'heure où je veux aller depuis tout à l'heure. Là c'est fermé. Et en bas c'est fermé aussi. Oui c'est fermé. Bon bah. Là c'est pas fermé. Ah, la salle préférée des gens. Là où tu oublies tout le temps ta fameuse petite clé. Et après tu dis, ah, je suis bloqué dans le temple de l'eau, il est trop nul ce donjon, il est trop difficile. Ah mince, du coup j'ai enlevé mon ocarina. Non, mais je veux pas ça. J'ai pas besoin du slingshot. Ah, il pourrait te sauver la vie. Hein. Tu dis ça, hein, mais il pourrait te sauver la vie. Oui, bah il est gris, je peux pas l'utiliser. Oh bah, celle-là aussi, c'est fermé en fait. C'est fermé partout. Pas grave. Peut-être que je monte tout le niveau de l'eau. Peut-être, je sais pas. Du coup, faudrait sortir. Il y a des torches là-haut. Il y a un truc là-haut. Yes, je peux y aller. Ouais, tu devrais brûler ici et ensuite là-bas, là, au niveau des caisses, je suppose. Je sais pas si t'arriveras à brûler de l'ici. Je pense que ça va aussi loin. Je sais pas. Bah, de toute façon, bah, au pire, essaye là. Essayer, hein. Mais il y a le bloc du temps, il est peut-être là pour que je saute dessus. Alors, ça a allumé quoi? Rien du tout. Même pas la torche au-dessus de moi. Ok, bon bah, je pense que je vais avoir besoin de ça. Ah! Oh, mais non, j'ai appuyé sur. J'ai appuyé sur R sans faire exprès! Ouais, ça a descendu. Mais je crois pas que ça a descendu assez. Tu crois que je peux rejouer le champ pour le bouger encore? Non, ça fait que deux. Est-ce que je peux sauter de là? Non. Ça n'a pas l'air possible. Moi qu'il faut monter le niveau de l'eau tout en haut. Et... Je pense, hein. Après, parce que là, je crois que tu peux passer les portes en étant en botte de plomb, mais je suis pas sûr à 100%. J'ai peut-être des bêtises. Mais pourquoi on pourrait pas? Après, là, il y a quelque chose. Ouais, c'était la fameuse salle là qui était ouverte. Maintenant qu'il n'y a plus d'eau, je vais pouvoir battre les Alphos. J'ai trouvé quelque chose de jaune. Non, t'es dans une autre salle complètement différente.
Oh, j'ai le choix là. Lequel choisir? Je te dis, prends celui-là, c'est mieux. C'est plus beau. Ok, je suis dans une salle avec des caisses. Ah, l'attaque des caisses! Y'a peut-être une sculpture là! Non, je rigole, j'entends rien, donc normalement. Y'a rien. Et y'a des petites caisses, donc je vais peut-être devoir appuyer sur un bouton. Je suppose que ça va être la fin de la vidéo, donc on verra ça dans la prochaine partie. Regarde, tu pourrais te servir des pots aussi! Non, c'est pas vrai. C'est vrai que dans ce jeu, ils se cassent les pots. Hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et nous découvrirons le mystère des caisses en bois dans la prochaine partie. Salut! Au revoir!